related to agriculture and Africa. It's necessary to know that this association has been created in 1947 in Tunis. It regroups today more than 440 universities in 60 countries throughout the world. C'est un honneur pour nous de tous vous recevoir en ce jour solennel. Nous avons tous quitté nos maisons, nos villes, nos pays pour nous rassembler ici pour le traditionnel congrès de l'Association internationale des étudiants en agronomie et sciences connexes, en abrégé IAAS. Cette association qui a vu le jour depuis 1957 à Tunis regroupe aujourd'hui plus de 460 universités dans 60 pays à travers le monde. L'une de ces universités est l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, institut dans lequel nous sommes réunis en ce matin. Durant ce congrès, nous aurons donc à débattre sur plusieurs questions relatives à l'agriculture et aux différents problèmes qui y sont rattachés. Nous vous disons encore une fois à quoi bas, manière pour nous de vous souhaiter la bienvenue. Nous croyons fermement que ce congrès sera porteur de fruits pour nous tous ici présents. Côte d'Ivoire joined the association in 2012 and had the honor to organize the AAM 2013, so a year after its endurance. You know that EAS want to give to the agronomic studies of each of country member in international dimensions, and to materialize that why this year 9 countries participate to this event. The chosen theme of the AAM edition is Free the Potential of African Domestic Agriculture for the Serrage Food and Listing Territorial Development. Il s'agira au cours de ce congrès de parler de thématiques concernant la sécurité et aussi l'autosuffisance des ménages africains. Now, I would like to briefly browse with you the program of the day. The first part of the ceremony is dedicated to the parade of participating countries. Then, we will have the speeches. After the speeches, an introductory communication will be given to you in order to present the content of the Congress. A coffee break will be given after the communication. And finally, we will approach the last part of the opening ceremony, which is the conference. The topic of the conference is promoting a new generation of farming entrepreneurs. It will be animated by Dr. Michel Fock from CIRAD, the Center of International Cooperation in Agronomics Research for Development, moderated by Dr. Siaka Kone, Director of Agronomic High School. Nous allons demander à chaque fois à la fanfare d'accompagner les nations. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, Monsieur le directeur général adjoint de l'INPHB, Monsieur le directeur de l'École supérieure d'agronomie, Monsieur le doyen de l'UFR Biosciences de l'Université de Cocody, Messieurs les directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les directeurs de département, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers participants, merci d'honorer de votre présence à cette cérémonie solennelle marquant l'ouverture du Congrès Afrique des étudiants en agronomie EDM 2013. Ce congrès que nous organisons sur la période du 15 au 21 décembre autour du thème « Libérant le potentiel de l'agriculture familiale africaine pour une souveraineté alimentaire et un développement territorial durable » traduit l'engagement d'une jeunesse africaine forte, solidaire, consciente et engagée à relever les défis du développement agricole durable de l'Afrique.
Nous ne saurions terminer ce discours sans exprimer nos sincères remerciements à l'État de Côte d'Ivoire, à la direction générale de l'INPHB pour son soutien constant, tous ses experts, chercheurs et à toutes ces délégations venues participer à l'EDIEM 2013. Nous sommes fiers de recevoir l'Afrique. Je vous remercie. Monsieur Kessavi, directeur national de IAS Côte d'Ivoire. Representing the Minister of Agriculture, Mr. Gembema Kofi, General Director of INPH, Mr. Siaka Kone, Director of ESA, Mr. Tosavi Mouli, Paul Cédric, National Director of IAS Côte d'Ivoire, Madame Ancest Lotus of Faculties and Students of various Côte d'Ivoire universities, honorable guests, dear students from of various of Africa universities, ladies and gentlemen. Being the Africa Director of IAS, it wish gratitude that I speak on behalf of all African members of IAS, those who are present and those the others who cannot do this trip, to welcome you, Bill, and each person present here today. Thank you. Monsieur le directeur régional de l'agriculture de Yamoussoukro, représentant Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le directeur général adjoint, représentant le directeur général de l'INPHB, chers collègues directeurs d'école de l'INPHB, Monsieur le représentant du CIRAD, Monsieur le doyen de l'UFR Biosciences de l'Université Nanguya-Bourgois, Monsieur le président de l'IAS Afrique, Monsieur le président de l'IAS Côte d'Ivoire, chers conférenciers, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs, les personnels administratifs et techniques de l'INPHB, chers invités, chers étudiants venus de l'étranger et de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous nos invités, une centaine de participants venus d'une dizaine de pays du Sud et du Nord et qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce matin. Votre présence ici permettra de débattre d'un thème devenu d'actualité en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, celui de l'agriculture face aux défis de l'alimentation du monde. Je remercie très sincèrement le parrain du Congrès qui nous a fait confiance et qui a tout mis en œuvre afin que nous puissions organiser ce congrès en Côte d'Ivoire et particulièrement à l'INPHB. Ce congrès contribuera à la renaissance de l'INP avec un départ nouveau si cher au ministre de l'Enseignement supérieur. Je remercie plus particulièrement le directeur général de l'INPHB, M. Kofi Nguessan, remercier et féliciter le directeur général adjoint de l'INPHB que je vous demande d'ovationner. Enfin, je souhaite à tous les participants un bon séjour à Yamoussoukro, ville qui symbolise la paix et qui est chargée d'histoire qu'il faudra découvrir. Je vous remercie. C'est pour moi un réel plaisir de participer ce matin à la cérémonie d'ouverture du Congrès Afrique ADM, entendu par la African Directors Meeting, organisé par la section Afrique et Côte d'Ivoire de l'Association internationale des étudiants en agronomie. Permettez-moi d'adresser au nom du directeur général de l'INPHB, M. Kofi Nguessan, au nom de tout le personnel de l'INPHB et à mon nom propre, la bienvenue à tous les participants à ce congrès. Les travaux qui démarrent ce matin et qui s'étendront sur 4 jours sont placés sous le signe de l'intégration africaine
et de la valorisation de la recherche agricole. En parcourant la liste des participants à ce congrès, je relève qu'ils sont issus de plusieurs pays du continent africain sans distinction de langue. À chacune des délégations ici présentes, je voudrais souhaiter à nouveau la bienvenue dans notre pays et à l'INPHB. Je profite de cette tribune pour remercier et féliciter toutes les personnes de bonne volonté qui n'ont pas hésité à s'investir de quelque manière que ce soit dans les préparatifs de ce congrès. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma reconnaissance à messieurs les ministres de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur qui ont spontanément donné leur caution à l'organisation de cette manifestation scientifique. Mesdames et messieurs, chers congressistes, au nom du directeur général de notre institut, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Ce matin, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Koulibaly Sangafoua, aurait souhaité être présent dans cette salle. Car tout ce qui touche le monde agricole le préoccupe au premier rang. Mais malheureusement, il a été empêché. Et donc, il m'a chargé de vous livrer le contenu du message qu'il a préparé. J'ai donc ce matin la lourde responsabilité de pouvoir assumer cette tâche qui m'est confiée. Je vous remercie. Le docteur Fop va vous parler donc de la promotion de nouvelles générations d'entrepreneurs ruraux. On peut traduire ici. Mais je me présente d'abord, je suis enseignant donc, au département agriculture ressources animales de l'INP. J'ai l'occasion de délivrer ce cours d'entrepreneuriat aux élèves ingénieurs du cycle d'ingénieurs de technique pour le moment. Ce qu'on peut dire rapidement de l'entrepreneuriat agricole en Côte d'Ivoire, c'est que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à un passé récent, les gouvernants successifs se sont préoccupés de l'auto-emploi des Ivoiriens à travers plusieurs initiatives et d'après mes recherches, nous avons pu, n'est-ce pas, découvrir trois grands courants. Alors, le premier courant, c'est la décennie 1965-1975, juste après les indépendances, avec le développement des cultures de rente, café, cacao, palmier à huile, IVA. L'État a encouragé la création de plantations par les Ivoiriens. Le slogan pendant cette décennie était le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ensuite, vous avez la décennie 75-85. Elle fut celle du vaste programme PAC avec le réseau de chaînes PAC. Ce programme, donc, suscité par le président Bédié, ministre de l'économie et des finances en ce temps, avait pour ambition de faire la promotion de jeunes commerçants ivoiriens. La décennie 1985-95, c'est celle des fonds sociaux. Elle s'inscrit dans le prolongement des fondements du programme PAC avec une réorientation. L'idée étant de financer les projets des jeunes dans différents secteurs d'activité à travers des prêts remboursables par les bénéficiaires. Alors, les années 1995 vont voir naître un autre programme dénommé Plantation Clé en Main. Il s'agit à l'instar des expériences menées dans le Bas-Sassandra avec le palmier à huile d'installer des jeunes ivoiriens en tant qu'agriculteurs modernes. Alors, les plantations étaient créées et puis les bénéficiaires en prenaient possession à la fin des travaux de mise en place. Alors, quel bilan peut-on dresser de ces initiatives? Alors, c'est la question qu'on se pose. Alors, notre conférencier va peut-être, n'est-ce pas, nous donner des axes et des orientations dans ce domaine. Donc, je vais lui laisser la parole. Je vous remercie.
well, good morning, everybody. I said that IAS is mainly an English-speaking association. And given the strong presentation of Nigeria this time, I think that it's fair that I speak in English. And this will give some opportunity to the Francophone students here to hear to my French English and be ensure that you will get the PDF file of my presentation. And I realize that the protection scheme is not as optimal as je suis Yanni Akusename de l'Université de Lomé, Togo. Je suis ici pour participer à l'EDIEM de l'Association internationale des étudiants en agronomie. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ça fait à peu près 3 semaines. Le cadre choisi pour l'EDIEM l'Université, l'Institut Polytechnique Oufouet-Boigny. Très agréable. Tout se passe bien. Les deux premiers jours, on est au matin du deuxième. Et ça va. Je suis Dara Marie-Pierre, étudiante en master de génétique à l'UFF Biosciences à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Abidjan. Je suis avec les étudiants venant du Togo qui sont là pour réfléchir avec nous. Pour qu'à plusieurs, nous portons des solutions aux problèmes de la famine en Afrique. Moi, je me nomme Afoura Ifatou, je viens du Togo et je suis à l'École supérieure d'agronomie à l'Université de Lomé. Je suis en agroéconomie semestre. D'abord, quand je suis arrivée, j'ai été, comment dirais-je, éblouie. La ville est trop belle. Ça, c'est... Et l'accueil, il y a vraiment. Je me suis sentie comme si je ne veux même plus partir de la Côte d'Ivoire. Quoi. Sincèrement, c'est trop joli, on ne s'y attendait pas. Je me suis dit, quand j'ai vu la ville de Yamoussoukro même, je me suis demandé si on est en Afrique. Sincèrement, parce que mon pays... non. La ville. Faut qu'on se dise oui, la ville de mon pays. Je ne sais pas si vous connaissez le Togo. Hein. Oui. Mais le peu qu'on a, on se croyait vraiment... Au sommet, quoi. Mais quand c'est bien de sortir. Je me nomme Bonnie Hachi. Je suis étudiante en agroéconomie, semestre 3 à l'Université de Lomé. Arrivée ici à Yamoussoukro, vraiment, j'étais ébahie. Parce que dans mon pays, d'abord, je me plaisais dans tout ce que je voyais. Mais actuellement, je découvre que vraiment chez moi, il y a mieux ailleurs. Et j'étais vraiment ravie. D'abord, en voyant les infrastructures, tout ce qu'il y a ici, j'étais vraiment ravie. L'accueil, tout a été chaleureux, quoi. Les échanges, la communication entre les étudiants de divers pays, non, vraiment, on a aimé. Et ce congrès, vraiment, tout le monde essaie de puiser quelque chose de positif là-dedans. Ça fait que personne ne regrettera. Tout ce qu'il est venu faire ici, moi je suis certaine. Merci. Moi je suis Asima Aude, je suis en fin de cycle, en semestre 5 à l'École supérieure d'agronomie. Ma spécialité c'est l'agroéconomie. Ce qui me plaît ici, c'est l'accueil chaleureux des Ivoiriens. Ils ont permis de bien nous intégrer. Ils ne te connaissent pas, mais ils t'abordent en même temps, ma copine, des trucs comme ça, c'est très bien. Le congrès en lui-même permet de réfléchir par rapport aux questions de l'agriculture, le développement. Dans les différentes conférences qu'on a déjà eues, nous a permis d'un peu plus nous éclairer dans ce domaine-là. Mais bon, mis à part ça, tout va bien, il y a l'intégration, même s'il y a quelquefois le barrage de la langue par rapport aux anglophones nigériens qui sont là. Mais quand même, on fait small. Slow. On mélange français-anglais. Des fois, on fait franco-anglais. Mais ça passe, ça passe. Tout le monde arrive à communiquer. Et les communications qu'on a eues jusqu'à ce jour-là, vraiment, sont intéressantes. J'ai adoré. Moi, je m'appelle Jibourema. Je suis étudiant en
année de licence à la faculté d'agronomie de l'université Abdoumouni de Niamey, Niger. En fait, comme l'avaient dit mes prédécesseurs, la motivation venait de la découverte que nous avons pu faire de ce pays. D'avoir cette visite nous a fourni beaucoup d'avantages. Dans un premier temps, en tout cas, il y a le facteur tourisme que nous avons pu faire, parce qu'il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est une ville vraiment incomparable avec la nôtre. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a les échanges sociaux à travers le brassage entre les différents officiers de différents pays. Ça permettra en tout cas de connaître et d'avoir en tout cas des échanges par rapport aux réalités de notre pays. Soyez les bienvenus dans notre pays et on espère que vous vous sentirez parfaitement bien et comprendra soin de vous. Merci. Merci. Bon, nous allons nous porteront sur les thèmes force et faiblesse de l'agriculture familiale au Niger. Donc, avant de commencer, il faut notifier que les camarades de l'Union européenne sont là. Il fait l'université Abdoumouni de Niamey à la faculté d'agronomie. Il est en année de licence. C'est le directeur de l'école supérieure d'agronomie. Alors, le thème de cette conférence est agriculture familiale, alimentation et développement territorial durable en Afrique. Donc, l'année internationale de l'agriculture familiale vise à rehausser l'image de l'agriculture familiale et de la petite agriculture. À l'extrême droite, il y a M. Adenga Wilfried, qui est vice-président de la commission jeunesse et partenaire de l'UNESCO Côte d'Ivoire. Donc, Adenga Wilfried est informaticien de formation et est délégué officiel de la Côte d'Ivoire au futur fonds de la jeunesse de l'UNESCO. Ensuite, il y a le docteur Eddy Serge, qui est au service épidémiologie de l'Institut national. Ces jeunes experts qui sont regroupés de différents domaines et qui travaillent sur plusieurs thématiques. Mais je peux vous dire déjà qu'on n'a pas encore de jeunes experts en agronomie. Donc un jeune expert en agronomie au sein de la Commission nationale de l'UNESCO sera le bienvenu. Donc M. Adenga a montré un peu les relations que IAS pourrait avoir avec les différentes organisations des Nations Unies. Des Nations Unies, que de l'Union africaine et même au niveau national, les opportunités et l'activité que nous, on peut, dans le réseau IAS, avoir à exécuter. Parce qu'il nous permet à tous d'exprimer nos potentiels, de réfléchir sur les différents problèmes qui sont liés à l'agriculture, notamment dans nos pays. Professeur Kati, qui est le directeur général de la recherche scientifique et d'innovation technologique du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, je vous demande de le rationner avant que. Saluer cette impressionnante assemblée et remercier les autorités de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny pour ses initiatives et le soutien qu'ils apportent aux étudiants. J'ai été effectivement abordé et contacté par votre association et le CES Bio, qui est une association avec laquelle je travaille régulièrement. Et je me réjouis de voir l'aboutissement de ce projet, parce qu'au départ, ce n'était pas très évident. J'ai vu que les responsables se battaient, ils passaient de bureau en bureau, et je suis heureux qu'aujourd'hui ça aboutisse. C'est la preuve pour nous et pour vous que sans acharnement, mais la persévérance paie. La bienvenue à tous ceux qui sont venus de pays, amis et frères, pour ce colloque. À tous les étudiants qui croient au potentiel agricole de l'Afrique, et ce potentiel il est grand, parce que nous ne sommes qu'au début.
nous allons en parler dans la conférence, même si c'est ciblé sur la consommation des produits. Nous savons très bien que dans notre sous-région et au-delà, nous avons des produits de consommation communs. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche, une vision sous-régionale, et c'est ce que vous faites. Je tiens à vous féliciter pour tout ce travail. Vous avez nos encouragements. Le thème que nous avons convenu d'un commun accord, c'était la consommation de produits locaux et leur incidence sur la santé nutritionnelle des populations en Côte d'Ivoire. Terminé. C'est que nous avons un potentiel. C'est vous, c'est la diversité des productions agricoles. Ces ressources ont besoin d'être transformées. Et pour cela, il faut une expertise, il faut l'excellence, à travers la formation que vous recevrez. C'est comme ça que nous allons arriver à avoir une masse critique de compétences pour produire des richesses par l'économie du savoir et par l'industrialisation. Et c'est à ce prix-là que nous allons arriver vers l'émergence. Master all these points in order to propose to population what they need to have a balanced nutrition. And all that can be summarized in the term of agribusiness, which is the mastering of the supply chain of natural goods. So that's the first point. The diversity is present, but we have small or big effort to do to master productivity, production, transformation, and conservation, and also marketing strategies. And I think Dr. Siaka here can talk more about that in terms of marketing and marketing strategy. The second point was about consumption habits, because people normally, the traditional way was to have a single meal, let's say at the half of the afternoon, and this was responsible for many diseases or nutritional diseases. And today, in most of African countries, we are moving to a occidental way, European way of living. So the problem still is that even if people are having three meals, these three meals are not really well balanced. So we continue to eat a lot of empty or fried protein stuff like bread or rice or yams and so on. But we also have to include in our mind that what we need are not only macromolecules but also micromolecules like iron, iron, and magnesium, calcium, and so on. So people have also to take that into account when deciding what they have to eat, because it is not only eating is not only satisfying cutting the angriness, but also to provide nutrient to their needs, to their biological needs. So we have to adapt what we eat to what we need, and that's what we call nutritional balance. So we have to adapt what we need to what we eat effectively, and reduce consumption of dangerous products like oil and bread and so on. But also, what we need is to encourage people to eat natural products and not only industrial products like soft drinks, conserves, and so on. But to move towards adding natural product or fresh product into conserves and into what we use to eat today, because it's more easy to have an hamburger or a burger or something like that. So we have to change our mind. We are changing our mind because we are moving to a more European way of living. But we have to take what is positive in natural product we have here in Africa and conserve that
and add that to what we have imported from Europe in general. And the third point was about the earth, and what we call nutritional balance, and that what I've summarized in eating what we need and not only what we want to eat, because it's not a good way of living. And work to, because we are here to work to use the energy we have had with eating, but also making sport, because sport helps to eliminate calories, but to helps also to keep what we call the vitamins in fact. And we have to be aware about toxicological problems linked to a non-mastering of production, of conservation and transformation of natural products. And to conclude, Professor Katikulwale talked about the role of research activities in helping African people to reach what we call traditional sovereignty, not to be confused with political words, but produce what we have, what we need in Africa. So our role, all of us here and you as students, is to be aware of that. And Professor Katikulwale encouraged us to improve the way of food production according to local needs. And also, to finish, the potential is present. We need formation, we need learning to understand and to master and to promote innovation. And finally, and last but not least, he said that alone you can show your competencies, but together you can rise development. Thanks a lot. Agricole nous rassure. Le potentiel agricole existe au niveau des terres, de la qualité des sols, de la diversité des spéculations. Il faut maintenant développer les compétences nécessaires pour la stimulation des rendements, la conservation et une meilleure commercialisation. L'agro-business est une voie, mais la maîtrise des chaînes de valeur et la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont également essentielles. Merci. Cette rencontre. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui. J'ai tenu quand même à venir et à honorer ce rendez-vous pour vous parler un peu de l'innovation technologique. Les pays qui sont en avance sur nous sont beaucoup basés sur la recherche et la technologie. Et donc vous avez bien fait de choisir ce thème qui est d'actualité. Et ce matin, nous avons la personne la mieux indiquée, elle est biologiste de formation, elle est enseignante, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'UFR Biosciences, au laboratoire de biologie et endocrinologie animale. Elle est donc directrice de la promotion et de la valorisation de la recherche scientifique
et de l'innovation technologique. Raison pour laquelle vous ne pouviez pas avoir une personne plus indiquée que professeur pour traiter ce thème. Et on va une fois de plus dire merci à professeur. Projet de mise en place d'une stratégie nationale d'innovation. J'ai mis projet effectivement parce que nous sommes en train de l'élaborer, de la peaufiner, de l'améliorer. Nous avons commencé certaines mises en œuvre, mais je ne vous cache pas que tout ce qui est innovation technologique, stratégie, transfert de technologie, qui nous intéresse particulièrement, est quelque chose, je dirais, dans les pays africains, même en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose évidente, ni pour la compréhension des personnes, et ni dans le déroulement ou dans l'intérêt national par rapport à certains objectifs et d'autres. Additional Ebenezer, National Director of IES Nigeria. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi si je n'ai pas la voix qui est vraiment. C'est bien. Thank you. Now, during the last ADM, which held at the Republic of Benin, there was a need for the GA to resuscitate the IES West Africa, which has been dormant for some years. Élève ingénieur agronome, option industrie agroalimentée. Je suis de l'INPHB et je suis contente d'être à l'EDM, la première édition de l'EDM en Côte d'Ivoire. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons pu accueillir au cours de cette semaine plusieurs délégations nigérianes, togolaise, béninoise, également nos frères d'ici, de la Côte d'Ivoire. Et je suis tellement contente de pouvoir visiter la basilique avec eux, de découvrir encore une fois ce bel édifice. Mon nom est Koulibaly Yene Maïmouna Raïcha. Je suis élève ingénieur agronome, option agroalimentaire. J'ai participé à l'EDM 2013 et j'ai été très heureuse d'y participer. Car cela a été plein de convivialité et puis de fraternité avec tout le monde. Alors j'ai été très heureuse et vive EDM 2013. Cheers! Esther Dejo from Nigeria, study management science. This place is fun, this place is beautiful, this place is good and it's a nice place to be. I'm Rahanat Otaru from Nigeria, animal science. From whatever, Kogi State University. ADM was nice and fun. I love Abricos. Nice place. Now, is it my turn now?
I'm Abdul Malik Sunday today, popularly known as Malik. I'm from Nigeria, Kogi State University, 400 level, animal science and applied biotechnology. I'm Oluwani Omolayi. I'm from Nigeria. I'm studying animal science. 500 level students. Wow, Ivory Coast is nice. Plus one, 500. Ivory Coast is nice. I enjoy my stay. Sweet. ADM is superb. It's superb. Thank you. Cheers. We had fun. You guys are the best, man. You know. They have to come closer. Ivory Coast is a nice place. I studied Agri, Department of Economics and Extension. Ivory Coast is a place to be. My name is Faith Lowodara, Agri student, Economics and Extension to be precise. I love Ivory Coast, I love ADM, I'm enjoying myself. Hi, I'm Ubeida Osmene. I'm from Nigeria. 500 level soil and environmental management. I love it because it's been fun all the way. I'm Alabi Ayobami Ezekiel from Nigeria. I studied Agri Economics Extension. To be sincere, Ivory Coast is wonderful. You see, what I love most in Ivory Coast is achiki. That food is wonderful, very sweet. Very sweet. We're going to pitch up. I'm Momojimo Yusuf. We love Ivory Coast. Yes, you 500 level agronomy. Ivory Coast is nice. I'm enjoying myself right here. My name is Waite Ogunleye. I come from Nigeria. I'm a lab assistant at 200 level agronomy science. I love this country very, very well. Yes, nice. My name is Abakar Abibat. I'm a Nigerian, 500 level agronomy extension. I'm an African. I'm proud to be an ISSR. Thank you. Ivory Coast is wonderful. Very. Nigeria, the giant of Africa, but what we've seen so far in Ivory Coast is wonderful. No, wonderful, beyond our expectation. So we give kudos to Ivory Coast. Nigeria, en tout cas, c'est très bien la découverte et la basilique. En tout cas, c'est un centre de découverte que j'invite tous les Nigériens à venir découvrir. Vraiment, c'est très bien, c'est parfait. Merci. Vraiment, je salue le courage du président Oufouet Boni. Je me crois un Romain, c'est comme si je suis un Romain. La basilique, elle est vraiment superbe. I want you to understand that all the countries in Africa, as a member of our International Association of Agricultural Students and Related Sciences, they are present here in the land of Yamoussoukro in Ivory, in Côte d'Ivoire. We love this country. We have Ghana here, Rwanda, Tunisia, Nigeria, all the countries. We have Niger Republic. So we are present here in this land, and it has been so fantastic, so wonderful. We love the food, the meat, everything, most especially the achiki. I love it so much. And couscous. Me, a local, I love it. I'm happy to be here. I'm very glad witnessing all this. It's very nice. IES, Africa, I love you. Ici, je suis avec la plus belle du congrès. Really, we are having good time here. It's fun, and we are really happy to be in Côte d'Ivoire. The structures here are so magnificent, and I really want the world to encourage the world to imbibe this, culture. They are very good in terms of infrastructures, and equally respect to their first president, Folies Bogny. He really tried for, erecting this structure, and it's a nice thing, yes, we are really happy to be here, c'est bon. On a commencé le lundi, et bon, la cérémonie s'est bien passée, mais je
la nuit internationale, c'était le combien déjà? C'était avant-hier. Franchement, j'ai adoré. C'est franchement chic. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dîner le soir. Je serai au top, je pense pas. Et puis, je remercie le président dans sa vie. Franchement, il a fait un bon boulot. Et les conférences étaient bien. Ok, bon, c'était de rassembler les Gariga. Yes, c'est le best. Thank you.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons présenter une danse transitionnelle venant du Togo, de la région d'Impacto. Il s'appelle la danse Bobobo. Ça vient de la région d'Impacto du Togo. À cette date, tu as venu te présenter et d'ici d'avoir plateau. Et cela, oui, c'est Bobobo. Mais le plan s'appelle, mais le plan vous
très bien, c'est les dames ici. Il est à moitié payé. Et je vous de vous de la prière de cette année ici. Bouddha. 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 C'est le bail à part de l'Union. This they use now to prepare it. There are actually granules. They prepare pepper. Pepper powder. And garlic oil. Comment ça se fait de mix? Vous voulez que vous puissiez entrer dedans? Vous visez un peu de l'union que vous allez se taire à Marseille. Je vous sens qu'il y a un sac de prise. As is doing. Et ça comme ça. Et après vous ajoutez de la machine qui a dommagé du piment en grande quantité. Et vous allez garder tout et mix it together. Et si tu le veux, tu mets de l'eau. Si tu veux manger avec de l'eau, tu as dit de l'eau. Mais si tu ne veux pas manger avec de l'eau, tu manges ça directement comme ça. If you want, you can add a garlic oil to it. Mais ici, on va vous montrer comment ça se fait avec de l'eau. As you can see, she has added the nut oil to it, and she is mixing it together. C'est fini. Elle est pas à bien à se préparer. Et tout le monde peut l'imaginer. You can eat it like that. I'm ready to eat it. And this is delicious. As you know, it's like really known for chocolate and cheese, and also for knives and watches. And something special we also have is like, you know, quite always on time, or everything is working very well. And so it's a very developed country, and we have not a lot of agriculture, but we have more service or preparing and transforming food. Alors, bonsoir. Je vais présenter la Suisse et comme presque tout le monde sait, c'est très connu pour le chocolat, du fromage et du ventre et aussi pour les boutons suisses. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est que nous sommes toujours. Un plat à base de pommes de terre et puis du chocolat. Nous allons demander si le Niger est prêt pour cette grande présentation. Pour les Touaregs.
Donc, les Allemands aussi, ils ont un habillement spécialisé pour eux, des coucous, etc., etc. Et en matière de préparation, et chaque ethnie, en tout cas, a sa propre à une préparation spéciale destinée à cette ethnie-là. Donc, vous voyez comment, en tout cas, la diversité et ce structuré de notre pays est tellement vaste. We want every other countries that are here to send forward their music so that we can play it for them. Nous demandons à tous les pays qui doivent passer au street d'envoyer leurs responsables venir déposer leur musique avant que le Nigeria ne finisse de passer pour éviter qu'il y ait des blocages dans nos cérémonies. Thank you.
soup is egusi made from melon seeds. Melon seed, vegetable mixed with seasoning and meat. Meat, gizzard and fish also. So eba and egusi can be eaten most times for lunch and for dinner. So as you taste, I know you're gonna be, how would I put it now, flabbergasted when you eat this one. Thank you very much. Certain national affiliates, you know, the society of the requires language to make that you. Donc, sans que tarder, nous allons commencer. L'actuel président de la République est le docteur Thomas Boni-Yayi, ancien président de l'Union africaine et président en exercice de l'UNOA. Au Bénin, nous avons plusieurs ethnies et l'ethnie la plus dominante, c'est le Fon. Après, nous avons les Adja, les Minon, les Goun, les Yoruba. Les différentes religions sont les religions traditionnelles. Quel est le vaudou? Vous savez bien que le Bénin est le berceau du vaudou. Après, il y a les religions christianistes et la religion musulmane. Donc, en résumé, c'est le Bénin que nous voulons vous présenter ici. Nous avons laissé maintenant le DJ jouer deux petits morceaux de notre pays. Nous allons essayer de vous montrer quelques pas. Mais moi, je ne danse pas. Thank you.
Bénin aura à nous présenter. Amiros, en français, pour traduire littéralement, ça veut dire la pâte rouge, à base de farine de maïs et mélangée à de la sauce. Mais bien entendu, c'est un des mangés surtout par les sudistes. Et le moyo, c'est un plat composé de tomates, de piments, d'oignons, mélangés, mais qui accompagne souvent plusieurs autres plats comme la cassa et la pâte dans le scoupou. La viande aussi peut accompagner ce mets, mais nous l'avons fait avec du poisson fumé. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé ce que nous avons chez nous, l'affiti. Parce qu'avec l'affiti, c'est encore plus délicieux. Donc vous allez passer plus tard vos versions plats et vous donner vos appréciations. Ceci c'est le moyo et là c'est le amiros. Merci. They just explained to us the food they cook here. Nous sommes riches par notre savoir-faire et nos richesses intellectuelles par la différence. Bonne arrivée et vous demande de suivre attentivement ce qui va suivre. La Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Quelle hospitalité. Côte d'Ivoire encore. Nous allons maintenant vous présenter la dose d'icomion pour exorciser les mauvais esprits. C'est une dose du sang de la Côte d'Ivoire. Thank you.
Miss Ovida.
Nous appelons maintenant le bagno. Mr. Etienne. Le bagno is not any other person. Give us a welcome to the stage. The Mr. Etienne. Mr. Karim.